SIDA, des tests très prometteurs pour un potentiel vaccin. Un vaccin expérimental contre le virus du SIDA, testé en Afrique du Sud en novembre 2016. MUJIDESAFODIEN-AFP, un vaccin contre le sida pourrait-il bientôt exister? C'est l'espoir suscité par un nouveau traitement préventif. Le rapport des essais cliniques a été publié dans la revue scientifique The Lancet. Les essais cliniques ont duré plus d'un an et les résultats sont encourageants. Le traitement préventif a d'abord été testé sur des singes, les deux tiers d'entre eux ont été protégés quand les chercheurs leur ont inoculé le virus. Puis près de 400 hommes originaires d'Afrique du Sud, d'Afrique de l'Est, de Thaïlande et des États-Unis ont reçu des injections de virus VIH rendues inoffensifs, et le test a montré des réactions immunitaires très prometteuses. Le directeur de l'étude, le virologue Dan Barouche, estime que ce n'est probablement pas le vaccin définitif, mais que cela pourrait être une avancée phénoménale. Le seul et unique essai qui avait eu lieu en 2009 avec un autre modèle vaccinal avait montré des résultats très insuffisants. Le risque d'infection de 16 000 volontaires en Thaïlande n'avait été réduit que de 31%. Test en Afrique australe. Un test de ce vaccin potentiel appelé un Imbokodo, rocher, en Zoulou, sera lancé sur 2600 femmes en Afrique australe, le lieu au monde où le virus pose le plus de problèmes, explique Jean-Daniel Lelièvre, du Vaccine Research Institute, agence nationale de recherche sur le sida, joint par RFI. En France, 150 000 personnes vivent avec le VIH et ils sont chaque année 6 000 à découvrir leur séropositivité. En Afrique australe, c'est 100 fois plus, pointe le chercheur. Les résultats de ce test très prometteur sont attendus vers 2021. Le professeur Darouche appelle néanmoins à la prudence, rappelant qu'en matière de recherche vaccinale, les déceptions sont souvent nombreuses. On avait un premier vaccin qui avait montré une certaine efficacité, qui avait été fait en Thaïlande et le vaccin qui avait été utilisé à l'époque couvrait un seul type de virus VIH. Et l'avancée importante avec cette nouvelle stratégie vaccinale, c'est de couvrir largement l'ensemble des différents sous-types. Professeur Jean-Daniel Lelièvre, du Vaccine Research Institute, agence nationale de recherche sur le sida, 8, 7, 2018 par Laurence Théo. Écoutez.